C'est pour moi? Oui. Je m'occupe de l'apéro. C'est dommage que Fabio soit pas là. Il est à Rome pour Noël. D'ailleurs, on compte habiter ensemble d'ici avril. Vous n'êtes pas un peu jeune? Maman, t'avais 20 ans quand tu t'es mariée. Vous avez emménagé ici avec papa. À Rome, une galerie a accepté d'exposer mes œuvres. Fabio a une grande maison, on ne sera pas serré, tu devrais venir. Et peut-être vivre avec nous. Je te remercie, ma chérie, mais c'est pas possible, je ne peux pas. Depuis que papa est mort, tu n'as jamais quitté la maison. Hé, c'est Noël? Un peu de bonne humeur? Puis après tout, c'est peut-être le dernier qu'on passe à la maison, alors. Qu'est-ce que tu dis? Bah, tu sais bien, Agathe part vivre à Rome et moi, je vais travailler à Paris. Le mieux, ce serait de la vendre. La maison? Je peux pas quitter cette maison. Maman, ça va aller, on est ensemble. De toute façon, financièrement, je... Maman, je sais que ça a été dur pour toi ces dernières années, mais il est temps que tu... Maman, attends! Laissez-moi. C'est bien, ils ont raison. Est-ce que notre amour n'est pas suffisant? Tu fais quelque chose de beau parce que tu as peur. Peur? J'ai peur d'oublier ton visage. Tu vois, c'est froid. Tu as raison. Pendant tout ce temps, j'aurais pu te rejoindre. Aide-moi. Et t'attendre.